Après 1796, la plupart des paysans vendéens rendent les armes. Les prêtres réfractaires ont été pour la plupart massacrés, mais les quelques survivants seront persécutés jusqu'en 1799. Durant toute la période des guerres de Vendée, ils continueront les prêches en toute clandestinité. Après la guerre, la situation économique en Vendée est catastrophique. Il n'y a plus d'hommes, plus d'animaux pour les récoltes, et la terre fut dévastée par les Bleus. Il faudra du temps pour réhabiliter les sols, et la famine et la misère vont s'instaurer. Entre 1799 et 1800, une nouvelle révolte va démarrer, menée par Charles Sapineau de la Rérie et d'Autichamp. Mais finalement, ils rendront les armes durant l'année 1800 et accepteront les conditions du général Bonaparte. Ces deux généraux mourront finalement de vieillesse. Charles Sapineau de la Rérie décédera à la Gaubretière le 2 août 1829. Il était âgé de 68 ans. Charles de Beaumont d'Autichamp mourra quant à lui le 6 octobre 1859 à 89 ans. Peu de généraux vendéens seront finalement morts de vieillesse. L'Amazone Céleste Buckley, qui avait combattu aux côtés des armées de Charette, s'éteindra quant à elle à Angers le 13 mars 1832. Elle avait alors 78 ans. Le futur empereur Napoléon essaiera de racheter les crimes de la République en Vendée. Il participera à la reconstruction du territoire et va aider les agriculteurs. À partir de 1801, le rendement agricole va augmenter et la région va se relever petit à petit. Ces guerres ont saigné les territoires où elles se sont déroulées. Les évaluations des pertes humaines ne sont pas précises, mais oscilleraient entre 110 000 morts à 600 000, comme le pensait notamment le général Hoche. Pour un territoire qui comptait avant 1793 moins de 850 000 habitants, les pertes sont considérables. Près de 30% de la population aurait été massacrée. Cette guerre a marqué la mémoire collective des habitants de cette région. Chacun d'entre eux compte un ou plusieurs ancêtres qui ont combattu durant les combats ou péri durant les massacres. Le nombre de sites où s'élève un monument avec l'emblème de la Vendée témoigne d'un souvenir fort de cette période. Outre le bilan humain, il y a également le bilan matériel, puisque de nombreux biens immobiliers ont été détruits. La Vendée ne s'est pas simplement soulevée contre la Révolution, mais contre la dérive totalitaire de la Révolution. Elle ne s'est pas soulevée pour soutenir l'ancien régime, mais plutôt pour défendre ses prêtres persécutés. C'était réellement ce que cherchait le peuple. La défense de la monarchie est arrivée dans un second temps, avec les généraux de la noblesse. Et elle était essentiellement là pour appuyer les autres revendications. Pour preuve, en recouvrant leur liberté religieuse accordée en 1801 par Bonaparte, les paysans ne reprendront plus les armes. Très longtemps, la thèse d'un complot de la noblesse et du clergé qui fanatiserait et enrôlerait une population ignorante et réfractaire au progrès a été la seule explication de la République au soulèvement vendéen. Jusqu'à aujourd'hui, la République a laissé entendre que les Vendéens avaient commis un crime de haute trahison en se révoltant. Un fort sentiment de honte s'est donc développé chez les Vendéens. Et paradoxalement, cette honte a créé une véritable identité là où il n'en existait pas avant 1789. En effet, cette région comprenait à la fois le Poitou et l'Anjou historique. Mais les Vendéens ont gardé en mémoire les combats héroïques de leurs aïeuls, mais également les massacres de 1794. À partir du 19e siècle, l'idéologie est entrée dans cette histoire là où elle n'avait pas sa place. Certaines personnes n'ont pas hésité à instrumentaliser le combat des Vendéens pour leur coller une étiquette de représentants d'une droite dure. Et à l'autre extrémité, comme des défenseurs de la monarchie ou d'une certaine droite noble. Mais la vérité est tout autre. Ces deux discours sont condamnables car les personnes qui parlent ainsi se trompent en plus de faire de l'anachronisme. La vérité, c'est que les Vendéens ne cherchaient pas à faire de la politique. Ils se sont seulement révoltés contre un gouvernement oppressif. Ils se sont soulevés contre l'oppression fiscale pour pouvoir pratiquer leur religion comme ils l'entendaient. Et surtout, ils ne voulaient pas envoyer leurs jeunes hommes se faire tuer dans une guerre qui n'était pas la leur. Ils n'avaient pas demandé la guerre contre les puissances étrangères. Ils n'avaient pas demandé la mort du roi, à devenir pauvre, à payer plus d'impôts. Mais c'est pourtant ce qu'on leur a offert. Voilà,
les raisons de leur soulèvement, la privation de leur liberté. Par la suite, effectivement, les puissances européennes et la monarchie les ont considérés comme des alliés potentiels. On peut donc dire que les Vendéens étaient dans leur bon droit parce qu'ils protégeaient leurs terres. Quant aux Bleus, de leur côté, ils étaient également légitimes puisqu'ils défendaient la jeune République naissante. Depuis la fin des guerres de Vendée, de l'eau a coulé sous les ponts. Il sera donc temps de reconnaître sereinement les crimes qui ont été commis dans cette région.